Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo, les séries qui se terminent enfin. Donc si la suite t'intéresse, continue. Cette vidéo va être très courte car il n'y a que deux titres qui se terminent en juin pour moi. Alors certes j'aurais pu fusionner la vidéo avec les séries qui commencent, mais étant donné la liste assez grande pour les séries qui commencent, j'ai préféré quand même diviser ça en deux temps. Pour ce qui est des séries qui commencent, on va en avoir donc deux. Le 5 juin, je vais avoir donc la série Crush on You, qui est une série en 8 tomes des éditions Soleil dans la catégorie shoujo. Nous sommes dans un romance et tranche de vie, tout ce qui est plus classique. Et donc, c'est un manga qui m'intéressait dès la sortie du tome 1. Le jour où je filme, nous sommes, si je dis pas de bêtises, voilà, samedi 1er juin. Et donc, ben, je viens de commencer ce matin le tome 1 et donc je peux te dire au moins que j'ai acheté le tome 2. Après je ne sais pas du tout si je lirai la série en entier ou pas, je pense que oui. Donc voilà, et je vais essayer de faire au plus rapide pour te le présenter. Pour ce qui est donc de la deuxième sortie, et j'ai peur que ça se termine en fait pas en juin mais au niveau des dates de la Japan Expo, car la série devrait se terminer le 28 juin, nous parlons donc du manga Après la pluie, qui est une série terminée en 10 tomes des éditions Kana. C'est un seinen en genre tranche de vie et romance, et la série est âge conseillé aux 12 ans et plus. Alors, Après la pluie, c'était un manga que j'avais fait en extrait manga j'achète ou pas au niveau de sa sortie, donc ça date d'il y a un petit moment. J'avais adoré ce que j'avais lu, j'ai d'ailleurs même acheté déjà dû à ça les premiers volumes. Je crois que j'ai acheté les 3 ou 4 premiers tomes carrément tellement que j'avais aimé. Et donc voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est que ça se termine. Je sais plus si j'ai dit que c'était 12 ans et plus ou 14 ans, mais c'est 14 ans que j'ai. Donc voilà en ce qui concerne les séries qui se terminent pour moi pendant le mois de juin. N'hésite pas à me dire quels sont les titres toi que tu attends justement qui se terminent prochainement. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !